Serco SMR, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors on se retrouve après, j'ai envie de vous dire des années, parce qu'on a j'ai jamais vraiment repris en fait ma chaîne YouTube depuis un petit moment. J'ai songé là à reprendre les vidéos et j'ai eu la bonne occasion de pouvoir avoir un adaptateur pour connecter mon micro directement à ma tablette. Ma tablette qui a une assez bonne résolution là, ma foi, donc à voir ce que ça donne là par la suite à l'avenir. En tout cas, du nouveau matériel, ça va pas tarder à arriver. Il y aura un nouveau micro, nouvelle webcam du coup, parce qu'on va pas tourner éternellement sur une tablette et sur un micro non binaural aussi, c'est assez embêtant quand même ça. Du coup voilà, me revoilà pour cette vidéo. Je vous ai pas préparé quelque chose en particulier ou quoi que ce soit, je fais juste mon retour à la bonne franquette, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une ambiance assez cosy, assez chaleureuse, j'ai envie de vous dire. Du coup, j'ai pris quelques objets pour faire quelques triggers, notamment un petit livre que je suis en train de lire en ce moment là. Assez simplement, et puis ensuite ça va évoluer, donc notamment avec si vous avez par exemple des idées, des projets, etc., vous pouvez tout mettre en commentaire. C'est toujours assez intéressant de voir les avis des gens et ce qu'ils veulent avoir en vidéo. Ensuite j'ai quelques idées par la tête, notamment quelques roleplay des assez originales, comme des revues et revues, enfin les classiques quoi. Sk.
trouve ça vraiment très apaisant, très relaxant. Et aussi, faut avouer que c'est bon quand même ça, même si c'est pas, même si je vous recommande pas du tout, c'est quand même vachement bon. J'espère que, en tout cas, mon retour vous fait plaisir. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Parce que c'est forcément pas forcément le prime de mon matériel. Mais j'essaie de faire en sorte, là maintenant, à partir d'aujourd'hui, et je m'y engage réellement, de sortir. C'est toujours...
dans un sens où beaucoup.